Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est toujours avec un grand plaisir et contentement d'Ankia que nous retrouvons à nous à Théala pour parler de cuisine notre pays, manger que nous fait cuire euh, le midi, le soir ici même à La Réunion. Et aujourd'hui, on va faire des brocolis avec euh, de la viande, euh, de la chair à saucisse. Sinon ça, cet immense bœuf, tu peux mettre du bœuf dedans, mais le bœuf, il prend un petit peu plus de temps pour cuire. Hein et il faut nous aussi euh, ou du poulet je peux le mettre dedans enfin nous euh, des cives c'est-à-dire des oignons verts il faut aussi euh, des oignons normaux de l'ail du thym du sel du poivre tout ça là, que nous va écraser ensemble le thym si a euh, la possibilité d'effeuiller le thym quand il est sec la point de souci, de les mettre en branche en dedans après nous allons un petit peu ennuyer pour pour, pour enlève les, les bonnes petites branches les bonnes petites clis en dedans quand on nous l'a fini, euh, crase nos bonnes épices ensemble, nous prépare les brocolis. Alors, les brocolis nous coupent à lui en, en petits euh, morceaux comme ça, nous tient toutes les petites têtes, hein, nous, fait, euh, nous enlève toutes les petites têtes, ne nous met pas la, la partie, euh, les, euh, un peu de, il a beaucoup de fibres dedans, nous enlève ça. Nous prenons les oignons verts que nous va couper en, en morceaux de euh, 3 cm en biseau, nous va prendre ça, nous va bien couper. Et nous allons euh, prendre notre oignon euh, que nous allons hacher euh, finement en tranches euh, pour pouvoir faire notre recette. Il faut, nous, pour ça aussi, une tomate. Alors, il ne faut pas mettre un tas de tomates dedans. Nous ne sommes pas faire un rougail brocoli. Hein, nous ça fait des brocolis euh, euh, tout court. Nous avons besoin d'un peu de, de vitamines en plus. Donc, nous allons prendre la tomate, qui est riche avec pas mal de euh, vitamines. Et il apporte aussi ce petit couleur rose dans euh, la marmite et euh, les gaillards euh, pour la bouche. Alors nous prenons notre champignon Astéa, le champignon noir euh, que nous va couper en fines euh, lamelles. Alors le champignon noir, il faut faire attention parce que ce type de champignon noir, là, quand on nous mette si nous mettons un tas dedans pour laisser pour laisser tremper, euh, bah, le système c'est que il fait il fait bon peu, hein, Donc après nous les a un peu nuit avec. Nous prenons les oignons euh, que nous va ajouter à la viande, que nous la mette à frites euh, dans notre marmite et nous la bien fait frite à l'huile, bien rose même, de façon que lui rende toute son jus. Et quand euh, nos fille fait frites à l'huile, nous ajoutons les oignons et nous laissons les oignons bien suer. Et euh, quand tout ça, la fine bien compotée ensemble, nous ajoute le sel, le poivre, euh, le lail mélangé. Si autres euh, y aime le gingembre, comme il dit souvent, Zotti peut mettre un petit morceau de gingembre dedans ou un petit morceau de kombawa. Mais pour moi, la main fait euh, telle que c'est, nature. Le produit il est naturel. Donc euh, l'huile est bonne. Euh, pas besoin de mettre trop, trop maillage dedans pour casser un peu le goût. Parce que nous veut faire ressortir aussi le goût du brocoli en dedans, euh, le goût euh, des champignons, tout ça. Donc si nous mettons trop d'épices à l'intérieur, euh, il casse le goût. Hein. Nous n'aurons plus le, le goût d'épices que le goût des produits. Alors, le, pour continuer notre recette, nous ajoutons euh, la tomate. Parce que nous prenons une tomate, nous la coupe à lui euh, euh, en finement. Nous ajoutons euh, en dedans. Et nous ajoutons, quand la tomate est bien compotée, nous ajoutons euh, les champignons noirs que nous l'a pris euh, soin de couper en petits euh, morceaux. Euh, de 1 à 2 cm euh, en dedans, de façon à ce que quand nous va nous mélange à lui, euh, la sauce y rentre bien en dedans. Et les champignons, il faut pas trop 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 faire cuire parce que c'est un, un plat. Euh, quand nous a fini, mettre des brocolis dedans, les juste bons pour mettre à terre, bientôt nés, juste faire transpirer un peu euh, les affaires. Alors le champignon nous mélange à lui bien, même euh, comme qu'il faut. Là-dedans, ils ne pas sa fronde. normalement il ne pas sa fronde dans là. Donc, euh, nous prend les champignons. Quand on a fini de euh, prendre les champignons, on a fini bien cuit, il finit de rendre son jus un peu dans la viande. Nous ajoute les... Euh, euh, oignon vert que nous l'a coupé en biseau euh, avec une longueur de 3 cm à peu près hein, de, de longueur. Ça, c'est pour donne le goût. Mon petit oignon vert d'un le il euh, n'est pas mauvais, il hein, arrange la bouche euh, aussi. Alors, nous mélange bien, nous prend le temps surtout pour faire le, le curry euh, malgré que le feu l'est assez fort dedans, dessous. Parce que si tu mets le feu trop faible de, dessous, il va faire de l'eau, il va transpirer bon peu, et après il n'est pas trop, trop trop gaillard. Voilà, l'infini fait, nous a fini de mettre tous les ingrédients dedans, nous ajoutons euh, les brocolis. Alors le brocoli, euh, comme vous le vois les brocolis, les couper en petits, euh, en, en petites têtes. Hein. Le brocoli, il est très, très, très bon pour, euh, pour la santé. C'est vrai que, comme m'en dit la maman, il n'aime pas trop, trop le brocoli. Il faut apprendre à, ça à manger ça. C'est un légume extraordinaire et fait de cette façon-là. Crois-moi, euh, et comme dirait mon dallon, « Zod va lisse Zod doit ». Voilà pour ce qui concerne la recette euh, du brocoli avec euh, de la chair à saucisse. Vous êtes peut-être avec d'autres viandes aussi, hein, la pointe euh, problème. L'émission l'a finie. Miro, merci Azote d'avoir suivi ça. Mida Azote, rendez-vous la prochaine fois. Midi Azote, tiens beau, serré, largue pas et nous l'est toujours la même pour valoriser notre culture, notre cuisine.